Coucou, c'est Val. On va ouvrir ce que je m'étais acheté en même temps que j'avais acheté mon calendrier de l'Avent. Donc, j'avais bénéficié à l'époque de 30% de réduction chez Nocibé. J'avais pris le calendrier Nocibé Prestige. Je vous invite à aller voir mes vidéos où j'ai fait l'ouverture si ça vous intéresse, si vous voulez savoir ce qu'il y avait dedans. J'avais pris aussi le Max Elmore et le Marionneau. Donc, voilà, si ça en intéresse quelques-unes, ben, allez voir mes anciennes vidéos. Et en fait, j'avais mis ça dans le placard, comme je vous ai dit, j'ai eu un Noël un peu space. Et du coup, ben, en fait, j'avais même pas sorti ça du placard, je m'en étais pas du tout occupée. Donc, on va regarder ça avec vous. Donc, j'avais fait mettre en boîte, hein, j'avais commandé sur le site et j'étais allée en boutique, en fait, le chercher. Ça, c'est un peu lourd. Donc, ça, si ça intéresse certaines, je sais que c'est encore en vente actuellement, hein. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. On va regarder. Et oui, j'avais pris ça. J'y arrive parce que c'est gros. Voilà, je m'étais pris ce beau coffret, en fait. Il est magnifique ce coffret. Vraiment, j'aime beaucoup. Rien que l'apparence, le poids, très mignon. C'est ma palette star de chez Nocibé. Et c'est gros, hein, parce que regardez, à comparer la taille de ma main, voilà quoi, ça fait quand même un gros carton, un gros emballage, tout mignon en plus. Donc, écoutez, on va se l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir. Plus, ça fait une belle boîte. Ben, je la garderai la boîte sans problème. Costaud, voyez. Alors, ben, j'ai 25% de réduction sur mon produit préféré. Ça m'en fera deux parce que j'en avais eu un dans le calendrier de l'Avent. Donc, super. C'est très bien emballé en plus, hein. J'ai remis mon peignoir Hello Kitty. Ouais, très bien emballé. Puis, il y a des petits... Ben, des modèles de tutos, en fait. Des petits tutos... Bah pour comment utiliser les produits. Je crois qu'il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça. Pour apprendre à se maquiller. Pour celles qui débutent. Voilà. Ça en fait 6. Donc, très mignon. Elle est vraiment bien emballée, hein. Vous voyez, tout est scotché. J'avais rien défait. Et ouais, à Noël, j'étais vraiment pas en forme, donc j'avais complètement zappé en fait. J'avais rangé ça dans un placard et j'ai dit je verrai plus tard. Alors, on va l'ouvrir. Oh, elle est hyper emballée. Même pas si je vais arriver à la sortir comme ça. Non, peut-être pas. Peut-être falloir que je la fasse tomber à l'envers. C'est énorme. Alors là, franchement, je suis bluffée. Je pensais pas que c'était aussi gros. Les petits sachets pour l'humidité. À ne pas laisser traîner pour les enfants ni pour les animaux, hein. Avec un petit film protecteur. Ça, c'est le derrière. Je vais l'ouvrir pour pouvoir tirer le fil. Voilà. Et ben, elle est belle, hein. Oh, oh, oh. Comment elle est belle en vrai. Donc, elle a un petit miroir, hein. Un gros miroir, pas un petit, hein. Avec un petit film protecteur. Superbe. J'aime beaucoup les couleurs. Je vais enlever le petit cache pour que vous voyez mieux. Sont belles les couleurs, hein. Très très belles. Il y a un peu de poudre, un peu de blush, un peu d'enluminateur pour les lèvres. Canon, canon. Vraiment canon. J'aime beaucoup ce petit rose en haut là. Donc,
D'après ce que j'ai compris, voilà, on tire comme ça. Et à l'intérieur, eh ben, il y a pour les sourcils, qui sont des couleurs sympas. Ils sont emballés, hein. C'est les donc des gloss. Il est très beau celui-là à paillettes, j'aime beaucoup. Un petit gloss à paillettes et un normal sans paillettes, des rouges à lèvres, hein, ils appellent ça en stick. Il y a petit pinceau. Voyez, un petit pinceau pour blush et poudre, un crayon noir, et un mascara. Bon, tout est filmé, je me le déballerai après. Sinon, ça risquerait de faire une vidéo un peu longue. Bah écoutez, super. Donc je sais pas comment ça s'ouvre ça d'en dessous. Je vais refermer ça et on va essayer d'ouvrir les petites cases d'en dessous. Alors, comment ça s'ouvre? Ah bah voilà, comme ça, tout simplement. Oh, c'est joli. Oh oh, quand on en ouvre un, tout vient en fait. C'est magnifique ce truc. Magnifique. Mais regardez-moi ça. Que des belles couleurs en plus. Alors là, franchement, je suis bluffée, hein. En vrai, ça fait vraiment une belle bête, hein. En plus, moi, je l'avais eu à 30% de réduction. Je sais qu'elle est à 26,95, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, ça me l'a fait à 16,96 €. Donc, un méga bon plan, hein. Que des belles couleurs. Il y a du mat, du brillant. Il y a de quoi s'amuser, hein. Des superbes roses. J'aime beaucoup. Et là, du blanc, du noir, du gris, du crème. Vraiment très beau. Hein. Voyez, de près. Vraiment superbe cette palette. Je vais en swatcher un ou deux pour qu'on se rende compte. Oh, j'aime beaucoup cela. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympa avec ça. Ben écoutez, elle est canon, je regrette pas. Hein. Puis rapport pour le prix, quoi. Pour 16 € et quelques, ça fait une belle bête. Hein. Oh, c'est pas net, c'est dommage. Je vais essayer de le rendre plus net, m'éloigner, revenir. Voilà. Ben, ça fait une belle bête, hein, franchement. Hein, je regrette pas du tout. Hein. Non, mais regardez-moi ça. Est-ce qu'elle vous plaît? Comment vous la trouvez? Est-ce que vous avez déjà acheté ce genre de palette, de petit kit complet? Est-ce que vous trouvez que c'est valable? Que c'est du bon maquillage? Moi, c'est la première fois que j'achète une palette comme ça, complète. D'habitude, bon, ben, c'est soit le blush, soit pour les yeux. Mais là, le tout comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. On va regarder, je vais en swatcher un ou deux. Celui-là, tiens. Ce petit marronné, là. J'aime bien. Vous voyez? J'en ai vraiment mis très peu. Hein. J'aime beaucoup. Je vais faire ce petit violet là. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Très, 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 très beau. Juste brillant comme il faut, quoi. Pas trop, donc on peut se porter tout le temps. Lequel je pourrais faire en plus? Ce petit bleu, tiens. Oh, qu'il est beau.
mettre un peu plus. Parce qu'il est un petit peu plus. Ça fait un peu plus blanc, un peu plus brillant, celui-là. Voyez? Ben, vraiment contente, hein? Canon, hein? Comment vous la trouvez? Dites-moi, donnez-moi votre avis. Tous les ans, hein, ils font différents modèles. Et bah, cette année, j'ai craqué. Voilà. Et ben, je suis gâtée en maquillage, là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si elle vous fait envie. Je sais qu'elle y est encore, hein, de dispo, en dispo à l'heure où je vous parle. Ben, moi, je trouve ça bien complet, bien sympa. Il y a quand même ben, pas mal de trucs pour les lèvres. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petits. Ben, entre ceux-là et toutes ces petites, comme ça, là, ça en fait quand même déjà 10 pour les lèvres. Il y a des bronzers, des highlighters, des blushs. Et ben, plein de super couleurs que j'aime beaucoup. Je vous remontre de plus près. Il y a quand même du choix, hein. Et ça fait pas des petits godets, hein. Ça fait, on peut bien l'utiliser, hein, pas mal de fois, hein, avant que ça soit vide, vu la taille. Il est beau ce bleu aussi là, hein. Celui du milieu, là, brillant. Il est superbe. Donc ça, c'est les gris, les noirs. Il est très clair. Ben, contente, hein. Franchement, très contente. Vraiment, bluffée. Je vais essayer, tiens, celui-là, là. En plus. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Ben, franchement, sympa, hein. J'aime beaucoup. Voilà. Eh ben écoutez, je vais m'amuser. Il y a de quoi, hein? Vraiment superbe. Un bel, bel assortiment de couleurs. Super palette. Je regrette pas. En plus, avec un bon de réduction bah, sur ce qu'on veut en boutique, hein, sur notre produit préféré, qui est valable, ben quand même. Jusqu'au mois de septembre, hein. Donc il y a le temps de le dépenser. Et ben voilà, je l'ai ouvert. Elle est superbe, je regrette pas. Et avec, je m'étais pris, va mettre ça là. Je m'étais pris. Ça, j'avais pas eu de réduction parce que c'est un point rouge. Donc avec les points rouges, ben, il n'y a pas de réduction, hein, sauf exception. Mais bon, c'est une bricole, hein. Que j'avais pris. Voilà. Je m'étais pris lui parce que je le trouvais trop gnon. Et il m'a fait envie parce que je trouve qu'il avait une belle bouille. Et puis moi, j'ai une petite collection de nounours. Voilà. Je suis une gamine encore à mon âge. C'est comme ça. Et je trouve qu'il est mignon. Et puis 2023, moi, je suis du 23. Donc, ben voilà, c'est un peu mon chiffre. Hein. Donc j'ai dit, il me le faut. Et il est, mais doux, mais dingue, comment il est doux. Il est magnifique ce petit truc. Je regrette pas du tout. Mais vraiment pas. Tout mignon, il a bonne taille, j'aime bien. Je vous le montre de plus près, avec sa bouille. Il est mignon, hein. Vraiment très mignon. Bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à liker, à commenter. Dites-moi comment vous l'avez trouvé cette palette avec ce petit nounours. Et je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à partager. Et puis, abonnez-vous si ce genre de vidéo vous plaît. Gros bisous, c'était Valérie. Merci. À bientôt.